بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله شيخ حفظه الله dans sa lecture du Coran a introduit le sujet. Fajazahullah, il est très intelligent. Donc ici, il n'était pas prévu qu'il lise. Et même comme cela, Jazahullah, après s'être renseigné sur le titre, quel genre de personne es-tu, il a déjà fait une belle introduction. Enfin, ceux qui comprennent l'arabe, ceux qui connaissent l'arabe, alhamdulillah, qui étudient le Coran, afwan, et qui le comprennent, ont déjà reçu une première partie de la réponse. Et on va voir ensemble, alhamdulillah, donc, ce genre de sujet qui des fois peut être négligé. Pourquoi? Parce qu'on va parler de nous. Et lorsque même si on donne une conférence, ne pensez pas qu'on parle des autres. Lakin, comme d'habitude, c'est d'abord un rappel pour moi, pour vous, pour nous tous. Et comme vous le savez, sur terre, l'être humain passe par différents stades durant sa vie. Il y a des moments, wallahi, ils sont très très importants. Et ces moments-là, si jamais on ne profite pas de changer certaines choses ou d'apprendre certaines choses ou de s'habituer à certaines choses, eh bien effectivement on a peur que plus tard, lorsque des fois le regret ne sert plus à rien, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Alors c'est un rappel naturellement pour nos jeunes, parce qu'ils sont dans un stade très très important. C'est pour ça que je fais souvent et le plus souvent ces conférences en français, parce qu'ils sont dans un stade très grave, l'âge de la puberté, l'adolescence. C'est un moment où normalement on est censé poncer un petit peu son caractère. Pour certains, le caractère est déjà même établi, il fonctionne déjà d'une certaine manière, mais on a peur qu'ils gardent certains défauts ou qu'ils prennent certains défauts de certaines personnes et qu'ils s'habituent peut-être à rester dans cette manière de vivre qui peut être des fois négatif, comme on le voit souvent autour de nous. Et on voudrait aussi, alhamdoulilah, comme on voit donc beaucoup de jeunes, garçons et filles, qui reviennent dans une pratique de juste milieu de l'islam comme il se doit, et on voit d'eux des bons comportements, et on espère aussi que tous les jeunes qui vont ouvrir leurs yeux au fur et à mesure prennent justement de ces jeunes-là. Et puis nous avons aussi, comme on va le voir inchallah dans la conférence, d'autres catégories au fur et à mesure. Je pousse toujours nos jeunes, ne croyez pas que ça fait toujours plaisir de faire les conférences en français, parce que ça vous fait perdre entre guillemets l'arabe, puisque vous n'avez plus l'habitude de le faire alors à ce moment-là en arabe. Lakin walhamdulillah, il y a toujours un bien. Des fois tu peux détester une situation, mais wallahi, à nos yeux, il y a un bénéfice immense. Wala siyama pour notre jeunesse. C'est pour cela tout ce qu'on va vous dire se retrouve dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on vous pousse quand même à continuer inshallah à apprendre la langue arabe pour que vous puissiez dans votre lecture remarquer tout ce qu'on vient de vous dire et tout ce qu'on va vous dire. C'est dans le Coran. Wallahi, je ne vous apporte rien de spécial. Je n'invente aucune théorie ni quoi que ce soit, mais elle est dans ce mode d'emploi que vous avez entre vos mains, cette guidance, cette lumière. Il suffit tout simplement de faire le pas inshallah. Et comme vous le savez, les meilleures descriptions sont celles qui sont données par Allah subhanahu wa ta'ala ou bien son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on va déjà voir chez l'imam Ahmed rahimahullah, il rapporte dans une tradition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé les gens en quatre parties, quatre catégories de personnes. Et ça introduit déjà le sujet par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur terre ou bien dans l'au-delà. Première catégorie, il dit qu'il y aura des personnes qui auront beaucoup de biens sur terre et beaucoup de biens dans l'au-delà. Deuxième catégorie, il y en a qui auront beaucoup de biens sur terre et peu dans l'au-delà. Une troisième catégorie aura moins de biens sur terre et beaucoup dans l'au-delà. Et une quatrième aura naturellement rien sur terre et rien dans l'au-delà. Voilà, on vient de citer quatre catégories. Rien qu'en commençant, chacun d'entre nous doit déjà se poser la question et se dire quel genre de personne est-ce que je suis ? Dans quelle catégorie est-ce que je suis ? Lorsqu'on dit que beaucoup auront du bien ou des biens sur terre et dans l'au-delà, eh bien on espère être dans cette catégorie-là, parce que wallahi, c'est la meilleure des catégories. C'est celui en général qui aura gagné donc ici-bas et dans l'au-delà. Mais cette catégorie, elle coûte très cher. Elle demande un effort. C'est pas quelque chose qu'on va avoir directement. C'est pas quelque chose qu'on va avoir facilement. Et c'est pour cela qu'on interpelle donc différentes personnes.
On interpelle le musulman, le croyant, la croyante, pour justement persévérer sur terre, pour essayer au moins à ce moment-là d'être quelqu'un comme il se doit, sur terre et dans l'au-delà. Car automatiquement, gardez-le en tête, on espère qu'on est comme il se doit sur terre, eh bien, l'au-delà, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura. Lakin, tu as des repères dans le Coran qui te montrent, voilà, si jamais tu fais, si jamais tu suis, si jamais tu pratiques, si jamais tu évites ceci ou cela, eh bien, dans l'au-delà, tu hérites du paradis, tu hérites du plus haut degré du paradis, tu as ceci, tu as cela. Donc, on te parle de tous les bienfaits que tu pourrais donc avoir. Vous allez remarquer que c'est plus une conférence aujourd'hui dans le domaine vraiment très pratique. Parce qu'alhamdoulilah, les références, on sait que, et c'est un système qu'on a toujours entre les frères, ceux qui font les conférences, on a beaucoup de conférences qui ont été faites et qui parlent de différents sujets qui vont vous pousser à aller chercher dans les détails. Ici, on va vous donner les grandes lignes, les repères, pour que chacun réfléchisse. Et comme vous le savez, au fur et à mesure, si chacun d'entre nous réfléchisse comme il se doit et se réveille quand il faut, à ce moment-là, alhamdoulilah, il y a encore un bénéfice immense. Lakin wallahi, si jamais on reste toujours dans le même système, on entend sans faire le pas, il y a un élément, il y a un facteur qui ne vous préviendra jamais et qui n'a jamais prévenu quelqu'un, c'est la mort. La mort, chaque jour, t'appelle. Chaque jour, elle court après toi. Chaque jour qui passe, et vous le savez, te rapproche de la mort. Chaque jour qui passe te rapproche de la mort. Et je le dis toujours à nos jeunes, la mort peut passer aujourd'hui à côté de toi et prendre ton voisin, et demain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient chez toi. C'est pour cela qu'on vous dit, faites attention, parce que vous allez alors passer à la deuxième catégorie. Certains ont beaucoup de biens sur terre et peu dans l'au-delà. Beaucoup de biens sur terre. Il y a des gens autour de nous, et vous le savez. Combien de personnes tu peux trouver? Il a une maison. Et de temps en temps, je vais faire un peu de derija par respect. Il y a aussi, alhamdoulilah, nos parents et tout. Donc, des fois, tu peux trouver une personne qui a une maison, qui a une voiture, qui a un beau travail, qui a vraiment un tas de biens. Et souvent, ils disent, voilà, il vit bien, il est à l'aise. Mais lorsque tu vas voir dans le domaine religieux, il est très pauvre. Ça existe. Il y a des gens qui sont riches par rapport aux biens matériels qu'ils ont. Maison, magasin, argent, tout ce que tu veux. Lakin, par rapport à la religion, wallah, ils sont très pauvres. Et celui-là, s'il meurt dans cet état, effectivement, sur terre, il a laissé combien? Beaucoup. Lakin, dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a engrangé pendant 50, 60, 70 ans? Hatta la preuve, l'Walid Indiana, nos parents, jazahumullah, qu'est-ce qu'ils nous disent souvent? Dès qu'ils arrivent à 60, 70, des fois même à 50, 40, il te pousse, il te casse la tête, il te dit va étudier. Hifd al-Qur'an, ta'allam al-Qur'an. Alash al-walid indiana hatta ki kibro, ba'd minhom sakin ki ndmo ki qulou, rja' taqra al-Qur'an, sir tahfid. Allah yhdik awlidi. A'mel jehd dialek. Pourquoi? Est-ce que c'est pour t'embêter? Est-ce qu'ils ont remarqué que ton programme est vide? Ils se sont dit tiens, on va lui remplir. Est-ce qu'ils ont remarqué que peut-être tu n'aimes pas le Coran? Ils se sont dit bien viens, on va lui rajouter du Coran. Hasha lillah, wallahi. C'est parce qu'ils savent que dès qu'on approche un certain âge, an-nadam, le regret vient et frappe l'être humain. Et wallahi, c'est une sale maladie. Ceux qui sont passés par là, ils savent ce que c'est. Parce que an-nadam, le regret, il est très spécial. Vous savez pourquoi? Parce que an-nadam, quand il te touche et que tu es encore jeune, on va te dire c'est très drôle, c'est rare. Je dis parce qu'on est encore jeune. Mais le regret, lorsqu'il te touche et tu as 60, 70, certains savants sont unanimes de dire, d'après le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Amar, en général notre communauté, elle a une marge dans le domaine de ce laps de temps qu'elle a à vivre ici sur terre. Elle a une marge. On ne vit pas 200 ans, et vous le savez. Et ça, m'a parlé entre 60 et 70. C'est-à-dire que si tu es arrivé déjà à cet âge-là, prépare-toi. Prépare-toi. Il te reste plus encore 50 ans sur terre. Voilà pourquoi Nadam, à ce moment-là, le regret, il est très, très dur. Il y a un autre facteur, Shaitan Allah, il te lâche. Wallahi, quand il sait que tu es dans une des catégories, wallah, s'il y a mal à la catégorie, lorsqu'on va aller voir 3, 4, lorsque ça devient grave, wallahi, à ce moment-là, il sait que même si tu voudrais revenir en arrière, est-ce que tu peux récupérer le temps? Abadan, wallahi. Et comme vous le savez, beaucoup de savants vous disent que lorsque une minute passe de ta vie, tu as d'office un petit millimètre de ta jambe qui rentre dans la tombe. Et tu as un corps qui s'approche de quoi? De la mort.
chaque fois qu'une minute passe. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le 120e jour, quand tu étais dans le ventre de ta mère, et revenez vers les 40 hadiths Nawawi, hein, souvent les jeunes achètent ces petits livres-là, le hadith est dedans, on te dit le 120e jour, quand Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange qui va justement insuffler l'âme dans ce fœtus, dans ce bébé-là. C'est là qu'on dit en général, on parle de quoi? De l'ajal. Combien tu vas rester sur cette terre? Toi, tu ne le sais pas. Toi, ya Abdullah, tu ne le sais pas. Toi, au contraire, tu prépares. Tu fais des plans. Regardez maintenant, on est au mois de février. On va finir février, mars. Il y en a déjà dans les discussions, ils parlent de quoi? Du Maroc. C'est vrai ou pas? Ils parlent déjà de vacances. Il y a des jeunes, tu les entends déjà. Se prépare, je vais acheter. Je suis en train d'économiser pour acheter une voiture. Pourquoi faire? Tu lui dis, t'as l'aise? Pourquoi que tu as besoin de... Non, parce que je pars au Maroc. Il prépare déjà. 6 mois, 8 mois, 9 mois à l'avance. L'Walidin, qui doit y jumeau. Hein? Il trouve une belle petite armoire, il la cache. Il trouve une belle, un beau petit appareil, il le met à côté. Il trouve un beau petit truc, il le met à côté. Alash al-Walid, c'est pour le Maghreb, pour le Bled. Payé, mais pour le Qiyama, pour le Qabr, qu'est-ce que tu as préparé? Pour la tombe, pour le jugement dernier, qu'est-ce que tu as préparé? Quel genre de personne es-tu? Tu es quelqu'un qui aime bien économiser? Ça, c'est une chose qu'on on a de spécial chez nous. كل واحد فينا كيعجبو يقور الفلوس يخبع الفلوس علاش كيقول لك نهار اللي يكون شي مشكل نجبرهم اولا الا نزلت للبلاد نعمل ونفعل وكذا وهذه دونك كان دي جون دي فوا ها ils économisent quand tu leur demandes pourquoi ils te disent parce que voilà ils préparent au cas où il y a un problème au cas où il y a ceci au cas où il y a cela. Le plus grand problème qui devrait normalement nous toucher à nous les musulmans, wallahi, ce n'est pas les problèmes spécialement sur terre, mais spécialement le jour où l'on va se retrouver dans la tombe, dès que le corps va passer sa première seconde dans la tombe. C'est là que vous devez absolument être prêt. Et c'est là qu'on va voir quel genre de personne es-tu. Je vais employer des mots qui des fois n'existent pas en français, mais comme ça on les comprend directement. On va voir quel genre d'économiseur tu es. Hein? Comment est-ce que tu as fonctionné sur terre quand tu as jeté à chaque franc? Comment tu as fait? Est-ce que tu as fait la même chose pour la religion? C'est pour cela que dans cette catégorie-là, ça devient dangereux. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de bien sur terre, mais dès que tu vas voir qu'est-ce qu'il a engrangé pour l'au-delà, c'est grave. Et là, on vous dit, faites attention. Vous savez pourquoi? Parce que si jamais tu es de cette catégorie-là, tu es déjà l'ahfad dans 50-50. Pourquoi? Parce que si jamais tu as beaucoup plus de choses sur terre et que lorsque tu arrives, tu as oublié un autre facteur qui est le quoi? Qui est tes mauvaises actions, sayyat. Tout ce que tu as fait de mauvais sur terre. Si jamais on met tout cela dans la balance, wallahi, je ne voudrais pas être de ceux qui vont se retrouver 50-50. Déjà qu'on ne sait pas si on va passer, que penser si jamais tu arrives et tu as des balances qui se retrouvent 50-50? Il y a un tas de sujets là-dessus. Je vous laisse imaginer. Troisième catégorie, aura moins de biens sur terre et beaucoup dans l'au-delà. On a certains zuhad, certains ascètes, très malins, qui des fois, alhamdoulilah, ont délaissé certains biens. Et des fois, nous, en tant que musulmans, il arrive qu'on fait une erreur. Certains jeunes aussi. Il y a des jeunes, par exemple, tu lui dis, étudie. Tu fais, non, je dois aller travailler. Tu fais, pourquoi? Ouais, regarde, drari, ils ont, un tel frère, il s'est marié, il a acheté, il a sa voiture, il a son appartement, ou bien il a des appareils, ou je ne sais quoi. Tu lui dis, Allah ehdik. Ça, c'est des choses qui viendront et tu as toute ta vie devant toi si Allah, subhanahu wa ta'ala, te donne encore le temps de vivre sur cette terre. Tukr ala Allah, qara, hfad. Et je parle spécialement pas de la religion, même les sciences profanes, les deux. Erreur que l'on retrouve souvent chez nos jeunes, qui pensent qu'il faut absolument, hein, on croit que le meilleur des personnages, c'est celui qui a fait que de la religion, point à la ligne. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il trouve pas de travail, il reste caché à la maison. Tu dis non, moi je lis. Et naam, le prophète Sassim n'a-t-il pas parlé, dans la tradition très connue, que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui sort, qui récolte des brindilles de bois à gauche, à droite, et il va les vendre au marché. Sah ou lala? Et naam. Alors il y a des personnes qui, alhamdoulilah, même s'ils n'ont pas beaucoup de biens sur terre, lakin ça a été des investisseurs. Wallahi, ce sont des très très grands businessmen, ils sont très malins. Hada huwa al-mutawwar, shkun huwa? Huwa li kaykun ba'd marrat ma kiddihash bzaf al-umur ad-dunya. Nous nous, fil wasat kimchi. Lakin subhanallah katjbru fil akhirah, jma'a tbarakallah al-khair wal baraka. C'est quelqu'un qui a structuré sa vie. هذا نظم الحياة دياله في الدنيا وعرف بلينا دي لقى الله سبحانه وتعالى وكيعرف بلينا الدنيا هذه فانية لكن الآخرة هي الباقية. Il sait que il a structuré sa vie parce qu'il sait qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala un jour et il sait alors à ce moment-là que cette terre et c'est là qu'il le voit. ولا الآخرة خير وأبقى.
on la lit tout le temps. Chaque vendredi, on entend l'imam, il la lit. Mais où sont les oreilles, les cœurs, comme on va le voir après, qui comprennent cela? Faliyad Allah Ardalikum, faites attention. Vous sentez déjà qu'on peut monter et descendre. On peut se retrouver directement dans une catégorie et directement dans l'autre. On vous dit aussi le quatrième. Et celui-là, Waliyadou Billah, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est celui qui n'a rien, ni sur terre, ni dans l'au-delà. Et ça, certains savants, en préparant le sujet, ils ont donné beaucoup de définitions à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, quand tu dis n'a rien sur terre, n'a rien dans l'au-delà, il y en a certains qui te disent, mais au contraire, des fois, il y en a parmi eux qui sont riches, il a un tas de choses. Ça rentre aussi dans la définition. Pourquoi? Parce que, wallahi, si jamais tu viens et tu as, mashallah, de l'argent, tu as un tas de choses, mais din, il n'y a rien du tout. Il te dit, wallahi, entre toi et quelqu'un qui a perdu l'akhira, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence. Hatta, et tout le respect que je vous dois, vous êtes au courant, dernièrement, il y a un petit chien qui a hérité de l'héritage de sa maîtresse. Sahoulala. Donc, kelb, jero. Il peut être wallahi, il était milliardaire. Parce que cette femme, qu'elle avait des problèmes avec sa famille, elle a déshérité tous ses enfants. Elle a dit, tout mon héritage, je le donne à qui? À mon petit chien. C'est pas ça à la télévision, ça fait un sale bruit. Tu ouvres le humq. Moi, je prends cet exemple pour vous dire quoi? Eh bien, des fois, astaghfirullah, il y a des êtres humains, ils sont comme ce petit chien. Ça veut dire quoi, wal'a'udhu billah? La personne, il peut avoir 1 million, 2 millions, 3 millions. Tu mets derrière tout ce que tu veux. Euro, dollar, livre, n'importe, mets ce que tu veux. Lakin, la din, pas de religion, rien du tout. Qu'est-ce qu'il va avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de jeunes se font avoir par des frères à eux? Des sœurs se font avoir par d'autres sœurs? Par rapport à al-madhar, ce qui est visible, et t'entends les jeunes, ouais, mais regarde comment il est mdabbar, regarde comment ceci, regarde comment cela. Et alors, tu as une réponse déjà à la question qu'on a posée au début. Quel genre de personne veux-tu être, ou bien quel genre de personne es-tu? Es-tu, c'est celui-là que tu es en train de voir en face de toi. Et quand tu lui demandes à lui qu'est-ce que tu veux être, il veut être alors comme celui-là. Al-Qudwa, on a un problème ces derniers temps, par rapport à l'exemple à suivre. On a un gros problème. Et on a des jeunes qui pataugent maintenant dans ces quatre catégories. Alors qu'on voudrait que nous tous, on gagne sur terre et dans l'au-delà. Il n'est pas interdit de gagner des choses sur terre. Et qui nous aurait remarqué avec cette tradition, il nous est demandé de structurer les choses. Et c'est pour ça que ça nous fait mal à notre âge, de voir des fois des petits jeunes, 13 ans, 14, 15. Et même si ces conférences sont écoutées des fois par des jeunes plus grands, eh bien on les pousse à parler à leurs petits frères, leurs petites sœurs. Aujourd'hui, wallah, il a qu'un ouhna l'walidine, ils le savent. Kajbar, des fois, l'ould, il a même pas 9 ans. Kijin andek? Walid, donne-moi 100 euros. Bismillahirrahmanirrahim, j'ai andek. Elle a 100 euros. J'bik, j'ni waqa'alik. Qu'est-ce que tu vas faire avec 100 euros? Non, je veux de l'argent. Tu fais pourquoi? Tu fais mon copain à l'école, il a de l'argent. Et toi, tu as de l'argent. Tout le monde, il a de l'argent, moi, j'ai rien. Combien de parents, des fois, ils nous croisent, ils nous disent, wallah, il a fitna de l'ouled, khatar. Qu'le alaj? Qu'le que j'ai andi à la sbah? Saoud Sbah, Matalan, قال قول لي تخصني GSM. شحال عنده des fois je me dis peut-être que le walid il est un peu dur. Je dis شحال عنده سنه? Peut-être qu'il a 17, 18. Il me dit là عنده 8 سنين. قال لي خصو GSM. Tu تقول له شنو عندك شركه, tu as une société, tu as des ouvriers que tu dois appeler tous les jours. Alors tu as le petit, il te regarde, comprend même pas. Mais des fois pourquoi? Nous on est étonné de cela. Il y a qu'on peut être étonné. Là, c'est quelque chose de normal, naturel, parce que les petits se rencontrent entre eux, ils discutent comme les grands le font. صح ولا لا? Comme ils entendent des fois leurs frères et sœurs le faire. Leurs amis. Et c'est quelque chose d'inné, parce que le prophète Asma en a parlé. Dans une tradition très connue, on vous dit que l'être humain, Bani Adam, si tu lui donnes une rivière, un ruisseau, en or, imagine si jamais tu lui proposes le deuxième, est-ce qu'il va le refuser? Tu vas dire, là, Allah, un ruisseau en or, c'est déjà, c'est tabarakallah. Est-ce qu'il va le refuser? Abadan wallahi. Allah, mekhalle. Il va le prendre. Et yaktarab, comme a dit le prophète Asma, la seule chose qui nous remplit, rempli le gosier, tout le reste du corps, le ventre et autres, c'est quoi? Pour que tu sois sûr que c'est bien rempli, qu'est-ce qu'il faut mettre? Du liquide? Non, tourab. Sable, la matière vraiment dure. C'est là que la personne, à ce moment-là, il se sent rempli. Pourquoi le prophète a donné ces exemples en ce temps-là? Il y a 1429 ans à l'âge. Wallah, il ne sait pas pour rien. C'est parce qu'il sait, et il a prévenu dans d'autres traditions, qu'arrivera des périodes où les gens, wallah, vont se battre, vont s'entretuer par rapport à quoi? À l'argent. Et c'était une des choses qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait le plus peur pour nous, l'argent. Et voilà pourquoi on te dit fais attention. Si tu es un adorateur de cette vie, sache que tu peux tomber dans une catégorie négative, wallah, et d'une manière très très grave, et qui va arriver,
comme vous le savez, il arrive alors à un certain moment, la personne, même s'il veut ouvrir les yeux, comme on l'a dit, donc c'est trop tard. Là, qu'il soit de celui qui est capable donc de gérer. Et des fois, ce n'est pas facile. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit qu'on a aussi trois sortes de catégories. Et on va donc expliquer différentes personnes. Vous avez vu ici, hein, vous allez voir combien de catégories je vais citer et que les savants rapportent au fur et à mesure. Et Allah, ça laisse à réfléchir. Il dit, il y a celui dont le cœur est mort. Il n'a pas de cœur. Celui dont le cœur est vivant et il est prêt, musta'id. Voilà, le cœur il est là. Là c'est très drôle quand c'est expliqué comme ça dans un livre. On parle de cœur qui est prêt, un cœur qui est mort, vous allez voir. Et celui dont le cœur est vivant, qui est prêt, mais il a rajouté cher, Al-Qayyim rahimahullah, il a dit, est concentré. Ah, c'est déjà un petit mot en plus par rapport à celui qu'on vient de citer. Cœur qui est mort. Combien vous ne trouvez pas dans le Coran? Et c'est pour ça que je pousse exprès les jeunes, je leur dis, nous dans les conférences, on vous résume, parce qu'on n'a qu'1h20, ça doit aller très vite. Mais on vous pousse. Wallah, et même si tu n'as pas l'arabe, va lire l'interprétation en français. Et tu vas voir combien de versets tu vas trouver où Allah subhanahu wa ta'ala parle de cœur. Que certains, ils ont un cœur, mais ils ne captent rien. Certains ont un cœur, mais il y a un cadenas dessus. Il est cadenassé. Il est enveloppé. Il n'y a plus rien qui peut entrer. Et pourquoi? Eh bien, il faut de nouveau aller voir dans les traditions prophétiques. Vous savez que des fois, tu peux avoir un cœur où Allah est pur. Et puis, tu commences justement à faire ce qu'on appelle, comme vous le savez, les sayyat, les mauvaises actions. Et à Shabab, quand on vous dit « Lard alikum », ne touchez pas au mal. Parce que ce sont comme des fléchettes, comme des points. Chaque fois que tu fais une mauvaise action, il y a une petite tache. Imagine-toi dès que tu as 40 ans, 50 ans et tu es dans les mauvaises actions. Ce cœur, quelle couleur il a? Comme disent certains savants, wallahi, on aurait dit alors une matière très connue qu'on appelle le charbon. Vous savez comment c'est le charbon? C'est de la suie, c'est sale, c'est noir, c'est mauvais. Eh bien, il y a des personnes qui arrivent jusqu'à ce niveau-là. Il y a des personnes qui n'ont pas de cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, comme vous le savez, doit être travaillé. C'est avec le rappel, le Coran, la parole d'Allah, que le cœur, il s'apaise. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet apaisement, justement? Parce qu'il est dans un corps. Ce corps, si jamais il est bien, il dépend de quoi? Justement de ce cœur. Dans le hadith authentique, très connu. Si jamais ce cœur, il est bien, wallahi, le reste du corps, il est bien. Et si jamais il est mauvais, le reste du corps est mauvais. Et de quoi est-ce que le prophète Hassim parlait? Al-qalb, ce cœur. Donc cela prouve que même le cœur chez nous, on doit le travailler. Regardez la beauté de cette religion. Regardez le hikmah qu'il y a dans cette religion. Tout nous a été donné, les membres, hein, tout ce corps est là, plein de choses autour de nous. Lakin, même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala te demande de travailler ce cœur. Dans d'autres textes, on te demande de travailler l'âme, nafs. Parce qu'on vous dit, c'est pas facile. Il y a des choses qui régissent ce corps. Si tu ne les travailles pas, ceux parmi vous qui ont un certain âge, ils l'avouent. Ils te disent, wallah, sah, kan mchouf shahawat, ou maladat, ou kada, hna raihin, ma kintashi mushkil, htan ali kan tfkro, mat flan, quelqu'un est mort. Ah, regardez ce dernier temps et vous êtes au courant, il y a des jeunes qui sont morts. Donc rien qu'au centre islamique, on a prié sur, si on va compter les jeunes, dernièrement, on a prié quasi sur 4, sur même pas une semaine. Sans compter une petite fille, rahimallah, qui est morte et ils ont prié dessus. Donc, Al-Khalil, il y a eu des prières à la mosquée Quba et ainsi de suite, même ici sûrement. Mais je parle rien que sur cette semaine, les jeunes. Et tu entends. Celui-là qui nous a le plus choqué, c'est l'accident, comme vous le savez, avec les, hein, la fameuse tour japonaise, avec les jeunes, avec la fille qui était avec eux, sahoulala, et qui est morte 18 ans, si je ne me trompe pas, passée par la fenêtre et puis directement explosée contre un poteau, je ne sais quoi. Vous allez me dire, tiens, qu'est-ce que c'est, quel est le rapport? Eh bien, c'est très drôle à dire. Alhamdoulilah, en parlant bien de nos morts. Ici, je donne un exemple. Je ne parle pas d'eux, mais je vais vous donner l'exemple. Ça, vous allez peut-être me comprendre directement. Je peux vous jurer que ces enfants-là, Allah rahmoum, c'est qu'Allah, narzullah subhanahu wa ta'ala, l'afoul marfira pour eux. Mais ces enfants-là, je peux vous jurer que tous les jours, sûrement leurs parents leur disaient, Allah ehdikoum, sahoulala, Allah ehdikoum, ruddul bal. Taqiullah, faites attention, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Chacun d'entre nous qui est père ici, il sait de quoi je parle. C'est le ham des parents, chaque fois qu'ils voient leur enfant qui arrive à un certain âge et qui prend une voiture, c'est quoi? Rudd al-bal, Allah irda alik. Allah, je toujours dis que Allah irda alik. Parce qu'il espère normalement avec cette phrase toucher le cœur de ce jeune. Là qu'il nos jeunes aujourd'hui, et c'est ça le problème. Pourquoi on vous embête? Pourquoi des fois on est un peu dur avec vous? On vous dit,
réfléchis depuis que tu es petit, accepte les conseils, ouvre les oreilles pour que ce cœur y s'ouvre aussi. Écoute. Voilà, qui va récupérer cette fille maintenant? Qui va récupérer ces garçons? Yallah, quelqu'un peut lever la main? Est-ce qu'un copain de ceux-là peut dire ça, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Moi, je vais aller les chercher. Wallah, tu peux lui donner des milliards. Wallah, wallah, jiboum. Impossible qu'il les ramène. Et vous le savez. Voilà pourquoi on vous dit, faites attention. Le cœur doit être travaillé. S'il n'est pas travaillé, c'est la première catégorie, comme a dit Mouqaïm, rahimahullah. C'est un cœur qui est mort. Il ne capte rien. Et si on va aller plus loin maintenant, dans les remarques, et vous le savez, combien de parents ne se plaignent pas, ils nous disent, subhanallah, ana wuldi, mon fils, kamchi kamkullo, rudd al-bal, not salli. Il bouge pas. Pourquoi? C'est vrai que nous, notre métier nous impose de remonter le moral au père. Là, inshallah, amid, kataraf, le malahi, ou shabab, ou kada, ou hadi, ou hadi. On essaie de. Lakin wallahi, inconsciemment. Est-ce qu'on a peur pour ce jeune ou pas? Inconsciemment, wallahi, on a peur. On a peur. Parce qu'on se dit, si jamais il n'ouvre pas les yeux, au moment où il faut les ouvrir, maintenant, lorsqu'il a encore cette intelligence, cette force et autres, quand est-ce qu'il va l'ouvrir? Comment? Donc c'est pour ça que pour la première catégorie. La deuxième, vivant et prêt. Le cœur, il est là et il est prêt. Mais, il avait étudié les êtres humains. Il est très connu dans ce domaine de l'étude de l'être humain. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, lakin, ce cœur, il est vivant. Il est prêt. Mais pourquoi? Pas pour le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas pour le bien. Mais tout simplement, entre guillemets, pour les biens de cette vie. Pour passer le temps. Et celui-là, lorsque tu lui fais, par exemple, un rappel, il est déconcentré. Si tu prends aujourd'hui des jeunes et par exemple tu mets un film, un bon film d'action pendant 3 heures, est-ce que quelqu'un bouge? Personne bouge. Et si jamais il y en a un qui a le malheur de bouger, wallah, ils vont le faire, ils vont l'éclater. S'il a le malheur, vous savez, on est déjà passé par là, quand tu as 3, 4 qui regardent un film et puis tu as toujours un ouj qui tous les 10 secondes, c'est qui l'acteur là? C'est qui celui-là? Il va prendre la voiture, il va monter, il y en a un direct, il en voit une. Il fait, Allah, tu scoutes ou la khruj. C'est vrai ou pas? Mais quand il y a un dars, s'il y en a un qui a le malheur de te faire comme ça, et qui te dit, viens, on part. Allah, t'as raison, viens, pars. Il va pas le frapper comme pour le film. Il va pas dire, taqillah, ya adou, Allah, qu'est-ce que tu me dis là? Tu vas m'attirer vers le mal. C'est rare. Ça existe. Mais notre rôle aujourd'hui, c'est de parler toujours du côté négatif. Parce que j'ai d'autres frères qui parlent du côté positif, alhamdoulilah. Non, ils m'ont toujours donné le côté. Hein, le plus mauvais. Mais à la kulli hal, au contraire, il y a un bien dedans. Si ça ouvre les yeux, Allah, il y a un bien. Mais donc, imaginez-vous, ce genre de cœur, il est prêt pour plein de choses. Mais on voudrait qu'il soit prêt pour le rôle pour lequel il a été mis sur terre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Voilà pourquoi ils ont reçu ce travail, cette mission. Hein, tous ces êtres humains, c'est lequel? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, si tu ne réponds pas, comment tu veux travailler donc ce cœur? Et celui dont le cœur est vivant, prêt et concentré, il te dit, rahimahullah, ce cœur, alors à ce moment-là, il est prêt à accepter toutes les injonctions divines. Tout ce qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, dès que tu lui dis, ittaqillah, il dit, Allahumma ja'alna minal muttaqin, il n'y a pas de problème. Haram, il te fait na'am sah. Et on va le voir plus tard dans d'autres catégories. Ce n'est pas celui quand tu lui dis haram, il te fait ashkun qalha, ou alash, ou kada. Comment ça? Vous allez voir, on va y arriver. Non, le meilleur des cœurs, c'est celui qui, alhamdoulilah, quand les choses sont structurées, il est prêt. Pourquoi? Parce que lui, il a compris son rôle sur terre. Et de nouveau, comme pour les autres catégories que j'ai expliquées, je voudrais que nos jeunes soient dans cette catégorie-là, inshallah. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos prières. Invoquez, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'être justement de ceux ou parmi ceux qui, alhamdoulilah, ont un cœur et ils savent pourquoi est-ce qu'ils doivent l'employer. Ils ont des oreilles, ils savent pourquoi ils doivent employer ces oreilles. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un cerveau pour la réflexion, ils savent comment est-ce qu'ils doivent donc l'employer. Et Cheikh Rahimullah, il continue, il dit le premier, vous voyez le premier, celui-là que son cœur est mort, il vous dit c'est qui? C'est comme l'exemple de l'aveugle. On ne parle pas de l'aveugle ici en négatif, non, vous m'avez compris. Mais l'aveugle, pourquoi? C'est comme celui qui, vous savez, quand tu prends un aveugle miskin, il ne sait pas où il est, tu fais 20 km et puis tu le lâches quelque part. Tu le sors de son milieu où il est habitué. Quand il est habitué dans son milieu, même en marchant, il sait automatiquement, dès qu'il touche la porte, il sait qu'il est dans tel côté de la pièce. Mais prends-le et jette-le 20 km plus loin. Est-ce qu'il sait où il est? Ah ben, il ne sait pas ce qu'il fait. Eh bien, on a des personnes, ils sont comme aveuglés. Et des fois, toi-même, tu le remarques.
Des fois même l'Walidine ils nous le disent. Des fois l'Walidine qui qu'on a fait quel, كيف نوا سي محمد ولدك كيف نو كيقول لك طايش مش كاين والله لا طايش ها وقر بسطي مره ما عار ماشي pourquoi il dit ça parce que des fois l'Walidine il remarque que le gars aucune structure il se lève à 3h de l'après-midi il sort il fait le tour du bloc puis il rentre puis il veut manger et puis Aoudi se rhabille puis il sort puis il rentre de nouveau à 3h du matin oui aucune structure. Le mot Allah, subhanahu wa ta'ala, n'apparaît dans son programme peut-être que une fois, deux fois, sur la semaine, sur le mois. Et comment ? C'est si jamais on rate un virage, attends, le hafidullah. Et encore, si jamais il dit le hafidullah. Bien, des fois, vous savez, nos jeunes, par quel mot ils commencent ? La lettre P, et puis vous continuez. Ceux qui sont polis disent purée, ptata. Sahoulala. Et le reste, comme vous le savez, pourquoi ? Parce que justement, cette langue, elle n'était pas rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'invocation, le rappel. Donc automatiquement, ce cœur, lorsqu'il frétille, il ne frétille pas pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour les problèmes, la peur, le khala'a et compagnie. Donc à ce moment-là, d'office, lorsqu'il donne cet ordre, qu'est-ce qui sort ? Il sort que des choses simples, rien de spécial par rapport à la religion. Et le deuxième exemple, cœur vivant et prêt, il te dit, c'est comme celui qui voit, mais ne voit pas là où il doit vraiment regarder. C'est très drôle. C'est très drôle, il dit, le deuxième cas c'est lequel ? C'est comme celui, il voit, toi tu voudrais qu'il voit par là. Des fois le walidine te dit, Wallah, makrach, ou le dit, il chouf le hé. Il me chine, jama, ou il salle, ou kada, ou il amel. Mais, en vérité, le cœur, il voit où ? Il voit là-bas. Il voit l'autre direction. Donc ça veut dire, il voit, mais il ne voit pas là où vraiment il doit regarder. Et puis, comme vous le savez, le dernier, il te dit, c'est, il voit, on a l'impression, hein, on a l'impression qu'il voit, là où il faut regarder, mais il te dit aucune concentration. Regardez comment subhanallah c'est subtil. Et aujourd'hui, on va un peu vous hammer la tête avec des petites subtilités comme ça. Ça veut dire, il voit là où il faut regarder, mais il n'est pas concentré. Ça ressemble à quoi ? Comme maintenant, par exemple, maintenant, pendant la conférence, il y en a qui me regardent, mais ils dorment les yeux ouverts. Ça, c'est une spécialité, c'est spécial. Il faut être spécialiste dans ce domaine. Ah, c'est un luxe, ceux qui arrivent à ce niveau-là. Tabarakallah, c'est seulement quand je lâche un cri, je vois la tête, elle rebouge. Là, je sais qu'il dormait, mais les yeux ouverts. Eh bien, des fois, tu as l'impression il regarde le conférencier, hein. Mais en vérité, est-ce qu'il le regarde ? Non, lui, il est parti dans un rêve, ou dans un cauchemar, ou il est déjà en train de courir après quelqu'un. Ou bien il fait déjà des comptes. Ou bien ça tombe bien, sa femme l'a éjecté de la maison, il y a des sœurs et compagnie. Il est obligé d'aller quelque part, il fait chaud, ou ça, mouahiding, le bien. Il attend l'heure, jusqu'à ce que le GSM il bip. Eh bien, il y a des fois des cœurs comme ça. Lakin walhamdoulillah, les exemples que j'ai donnés, ça c'est bon encore, ça passe. Tandis qu'ici, Ibn Qayyim rahimahullah, faites attention. Là, quand tu arrives à cette catégorie-là, c'est grave. Hein, parce que, imaginez-vous passer 50, 60 ans de votre vie à aller vers un chemin qui n'était pas le bon. C'est comme quelqu'un, subhanallah, tu lui dis, il te demande, Paris, c'est par où ? Tu lui dis, c'est à droite. Il te fait, jazakallah. Il regarde la droite et il va à gauche. Qu'est-ce que vous allez... Ah, yak, c'est un ahmak ou pas ? C'est un hebel yak. Est-ce qu'on ne fait pas la même chose sur terre ? Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, hassirat al-mustaqim, voilà où est-ce qu'il est. Comme on dit l'ulama, le mufassirun, qu'est-ce qu'ils ont dit ? C'est tariq l'a dit, la ouija jafi, nishan, awa. Prends-le. C'est ce chemin-là. Toi, qu'est-ce que tu dis ? Eh, na'am, alhamdulillah, yes, Allah, yabdi, c'est le frère, Allah, rahmat. Wa salam alaykoum, wa glis tsalli ma'ana, wa inshallah, inshallah. C'est vrai ou pas ? Combien de fois ça n'arrive pas ? Même drari. Tu rencontres, tu lui fais, oh, ça va, toi, là ? Tu dis, qu'est-ce que t'en penses, le Jannah et tout, kada, il te fait, oh, là, t'as raison, le Jannah, ah, c'est important. On va, Inch'Allah, y rentrer tous, ouais, oh, là, c'est. Et il y aura, Inch'Allah, les palais, les quatre, ouais, dis, Allah, comment on va passer, viens, on va prier. Et ouais, oh, mouhim. Allah, tu me l'aurais dit hier, hein, subhanallah. Hier, à cette heure-ci, j'avais rien à faire. T'es venu au mauvais moment. Et il te fait tout un truc, kada, il t'aouche devant toi, oh, subhanallah, tu m'aurais donné cette idée hier, oh, là, on serait venu. Hada, il voit. Mais qu'est-ce qu'il voit ? Il ne voit rien de spécial. Il ne voit pas qu'est-ce que normalement il est censé voir. Aussi dans le même ordre d'idées, on te dit, subhanallah, que tu as aussi des fois un style de personne, et j'espère qu'on n'est pas de ceux-là, il y a un style de personne, par exemple, lorsqu'ils subissent un examen de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah. Vous savez que la vie sur terre, revenez à surat al-mulk, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Vous êtes sur terre, wallahi, pour justement être testé, un par un. Et on va voir justement qui de vous est le meilleur en acte. Positif, hein ? Pas n'importe quoi.
Alors qu'est-ce qui se passe? On a des personnes par exemple qui, dès qu'il a un problème, dès qu'il a un examen, un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se rebelle. Kisrat. C'est connu ça. Kisrat. Mubasharatan. Kibda subhanallah, ta'assab ou irud al-klam ou kada. Nimmen. Ou la'lamen. Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est le rebelle. C'est celui que dès qu'il a un problème qui le touche, automatiquement, il est insatisfait. Il l'accepte pas. Et puis, comme dit Cheikh Issé Rahimahullah, il te dit attention, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à se rebeller avec son cœur, sa langue et le reste de ses membres. Trois choses. Tu vois ce corps, Ya Abdullah, que tu as entre les mains, ce corps, le jour du jugement dernier, et c'est mis dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que, wallahi, chaque membre de notre corps va témoigner contre nous. Ta main va témoigner. Va témoigner de quoi? Est-ce que tu as mis cette main ou employé cette main dans le halal? Tes yeux, est-ce que tu as regardé le halal? Bouche, il y a dedans une langue. La bouche, c'est encore plus pire, c'est encore plus grave. Comme Mu'ad radiallahu anhu était étonné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh na'am, c'est très grave quand il a entendu cela. Le jour du mois dernier, on va être, pour certains, jeté face avant. Manakhir, le nez et tout, la face avant, et on va être tiré, jeté en enfer. À cause de quoi? La langue. Faites attention, hein. Faites attention. Il y a des gens aujourd'hui qui sont spécialistes de la langue. Pas de la langue française, anglaise, là. La langue, hein. C'est-à-dire le blabla, le riba, le namima, le riba, hein, on parle sur le dos des gens. Très beau verset. Où Allah subhanahu wa ta'ala répond à votre place. Est-ce que quelqu'un parmi vous aimerait manger la viande de son frère en état de cadavre? Il attend même pas que tu donnes toi la réponse. Il sait qu'en tant qu'être humain, ça se fait pas. Il répond à ta place. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi ma, vous aimeriez faire cela. Lakin sur terre, est-ce qu'on le fait? On le fait. Attention d'être parmi ces gens-là. Parce que justement, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un cœur, des membres. À quoi est-ce que tu vas les employer? Les pieds, la même chose. Les parties intimes, et ainsi de suite. Chaque membre va témoigner le jour du jugement dernier. Alors des fois, les jeunes, ils rigolent. Comme une fois, un jeune, il m'a dit, c'est vrai, j'ai lu dans un livre, les membres, ils vont témoigner. Je dis, ouais. Allez, subhanallah, il me dit, j'imaginais un truc. Je dis, qu'est-ce que t'as imaginé, Aoud? Il dit, tu vois les pieds? J'ai les cinq doigts. Je dis, alors? Il m'a dit, l'orteil, elle va parler. Ouais, il m'a pris, là, il était en ville. Ah. Par exemple, si je vais en boîte, Yom Al-Qiyama, si j'ai dansé et tout, mes pieds, ils vont dire, ouais, Yarbi, on a été à la boîte, Kada. Tu vois maintenant, quand tu es en train de faire le fou, là, quand le jour du jugement dernier, tu n'auras plus l'occasion. Tu vas voir c'est qui l'hamak ce jour-là. Tu profites. Quand toi, si jamais tu veux le regret, quand tu rentres à la maison, je lui dis, couche-toi dans le lit, mets un oreiller derrière la tête pour que tu lèves un peu ta tête et regarde tes doigts de pied et fais des excuses à tes doigts de pied. Wallah, je me suis foutu de vous. Wallah, j'ai rigolé de vous. Et désolé, il y a un imam qui m'a dit, jour du mois dernier, vous allez faire simholi. Regardez. Et je suis sûr qu'il s'est dit, Haddash, il est fou. Il dépasse, c'est tout. C'est vrai qu'on prend de l'âge, il s'est dit, ce gars-là, il est arrivé à sa limite. Je dis, na'am, wallah, c'est dans la religion. Moi, tu parles sérieux, je dis, wallah, c'est dans la religion. C'est dans le Coran. On n'est pas au Coran, Yahouan, c'est vrai ou pas? C'est pour ça qu'on prend beaucoup de choses à la dérision. On croit que c'est à l'aise ou can. On te dit aussi que, avec son cœur, ça veut dire quoi? Eh bien, regardez, Yahouan, faites attention. Des fois, on fait ça. Chers frères et sœurs, on ne remarque pas. Des fois, des personnes, quand ils sont touchés par un examen, c'est quoi des fois réagir avec le cœur? C'est qu'à l'intérieur, il estime qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été injuste envers lui. Combien de personnes ne sont pas touchées par des examens, puis quand tu lui dis quelque chose, tu lui dis, « Wa, hamdallah, fais des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Accepte, qu'est-ce qu'il te dit? Pourquoi il y a un kafir billah juste à côté? Il vit à l'aise. Wa naj'abdallah jour et nuit. J'ai que des meshakil. » Combien de jeunes ils nous appellent chaque fois, Allah? Moi, j'ai plein de jeunes qui m'appellent comme ça. Ils me disent, salam alaikum, salam islamique, ouais. Allah, moi, je comprends pas, mon frère, il y a un problème, hein, Allah. Tu dois m'expliquer, je crois que c'est Jnoun ou je sais pas ce qu'il y a, quel Jnoun, vas-y, parle. Ah, moi, je prie, je fais, je salais, tant. Je dis, alors, mais je suis sorti, il m'a frappé la voiture. La police, elle est venue, moi, je voulais à peine parler, il m'a dit, pourquoi tu lèves les mains? Ils m'ont embarqué. Et je suis arrivé, le juge, il m'a dit, il a vu ma tête, il a pas, il m'a dit, toi, qu'est-ce que j'ai fait? Allah, tu serais étonné. T'as peut-être fait quelque chose il y a 5 ans. Et peut-être tu payes la facture maintenant. Ou bien,
Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout simplement te tester pour voir justement le degré de foi que tu as. Allah subhanahu wa ta'ala, on sait dans le Coran, il te rappelle, il te dit, est-ce que les gens, parce qu'ils ont dit qu'ils ont cru, qu'ils ne vont pas être testés, la yuftanun abadan, la wallahi, al-fitan walhamdulillah, tous ces tourments et tous ces problèmes, wallahi, ils touchent le musulman, hein, jusqu'à sa mort. Même au moment de sa mort, akbar fitna, Satan al-Allah, il vient devant ta tête. Même au moment de ta mort, tu n'échappes pas. Donc, pour revenir, qu'est-ce qu'il te dit? La personne, subhanallah, se rebelle directement vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec son cœur. Alors que des fois, d'apparence, tu peux dire que soi-disant, il est peut-être à l'aise. Non. La langue, eh ben, c'est celui-là qui insulte tout le temps. Là, on a des gens. Dès qu'il a un examen, il commence. On a l'had dunya, on a l'had kada, on a l'had ceci. Mon seba. Il y a des gens, ils ne le remarquent pas. Et nous, on le voit parce que mon travail, c'est dans le domaine social, musulman, hein, entre guillemets. Et c'est là qu'on voit comment les gens fonctionnent. Les gens qui jouent anna ou Allah al-Adim, ils insultent sans qu'ils remarquent le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Là, tu n'es qu'un exemple. Combien de fois tu entends des jeunes ou bien même des parents qui te font wa hada huwa ad-din. Comment ça? On a été voir une famille, ils ont perdu un petit bébé. Tu vois, tout fait le jahl. Allah, des fois, ça peut être le kofre aussi. On peut même sortir de la religion. Il te fait aïda, le type, il est là, bien costard, à l'aise, amen, que. Taqaf et tout, hein, c'est un stéréotype, mohim. Et puis le gars il te fait, oh Allah, moi je comprends pas, moi. C'est drôle de religion, Allah, regarde, un petit bébé il a rien fait. Et pour rigoler, pour remonter un peu le moral, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est naturel quand il prend les vieux. Ça veut dire les vieux, jma'. Si je t'aurais dit, ouais, il y a un vieux qui est mort, tu me dis, ouais, c'est à l'aise, il est quand même vieux, il va partir. Mais dès que je dis c'est un bébé, oh, alash. Regardez l'être humain comment il est. Là, le mot haq pour tout le monde. Yak? Vieux ou jeune, ça n'a pas d'âge. Mais regarde le djal chez la personne. Regarde la réaction directe. On lui dira Alhamdulillah. Wallahi, c'est un investissement pour le jour jugement dernier. J'ai eu un bébé, il me l'a pris. J'ahmadullah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Voilà, il l'a pris. C'est lui qui donne, celui qui reprend. Et vous connaissez la belle petite tradition, hein? Regardez quel beau comportement. Ben, c'est très difficile pour y arriver. C'est pour ça qu'il faut travailler de celle que son enfant est mort. C'est vrai ou pas? Vous connaissez la tradition. Puis le père y rentre. Même ce qu'il ne va pas directement lui faire, ah, ou bien, vous savez, aujourd'hui avec les GSM et tout. Ah, l'ada, ou l'ada, ou l'hafidullah, bien, ou l'insane, des fois, il oublie, il dit des mots graves ou autres. Elle est venue, elle a préparé à manger, elle s'est fait belle, comme si de rien n'était. Ils ont même dormi ensemble, Kada, elle s'est levée, puis après, elle lui a fait une belle petite morale. Elle a dit, t'imagines si on t'avait déposé, en résumé, un petit dépôt, une amana et tout, puis après, on vient, on te dit, et c'est pas la tienne, on te dit, voilà, remets-la. Est-ce que tu la remets? Qu'est-ce que la personne a dit? Elle dit, naam, je remets. Dit voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait donné ce petit bébé, cet enfant, maintenant il l'a repris. Tu vois, subhanallah al-adim. Pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir travaillé. Wallah, il faut avoir chargé cette batterie incroyable. Maintenant, vous avez vu, il fait froid. Hein, vous êtes content quand vous avez une voiture qui démarre au quart de tour. Ça, oulala. Ouais, c'est pour ça, pour le cœur, pourquoi on vous demande de le travailler pour qu'Inch'Allah il démarre aussi au quart de tour. Dès qu'il y a quelque chose, mais en positif. Il te dit, et les membres, c'est quoi? C'est ceux, wala'idou billah, comme vous le savez, qui se frappent le visage, s'arrachent les habits. On a encore ça dans nos familles aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Ou bien des fois, le badia au pays. Combien de familles, quand ils envoient un corps qui est mort, ils l'envoient là-bas pour l'enterrement. Quand ils reviennent, ils nous racontent des choses. Parce que les jeunes, alhamdoulilah, certains maintenant, ils apprennent din, ils entendent un tas de choses. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, wallah, je suis revenu, j'ai été enterré le walid, ou bien le walida, ou bien le cousin, ou le kada. Il te fait mon seba. Des gens qui s'arrachent les cheveux, des gens qui se tirent le visage, des gens qui se griffent le visage, qui arrachent leur veste ou qui gèlent ou une naqqaz. Fais des sauts, je te dis pas là. Non, de nouveau, il te dit fais attention. Quand tu as un examen vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on espère, comme il dit Cheikh, alors on va passer à la deuxième catégorie. C'est qui? C'est le patient. Et même comme ça, attention, regardez ce qu'il vous dit. C'est celui qui retient son âme de toute colère, il retient sa langue, mais subhanallah, il se rebelle des fois avec son cœur. Ou avec ses membres, mais sans prononcer de mauvaises paroles, qui vont attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, c'est toujours pas encore très négatif. Ça veut dire, il va être touché par un examen, mais il a dit, il va vraiment se retenir. Il va peut-être des fois faire comme ça avec sa main, mais il va rien dire. Hein, tu peux laisser encore dans le doute. C'est peut-être un réflexe comme ça de nervosité ou autre, mais walhamdoulilah, il est déjà mieux que la première catégorie, parce qu'il va rien dire. Ça veut dire quoi? Les savants, ils te disent, celui-là, à ce moment-là, il patiente. Face à ce qu'il a touché, voilà, il a reçu un examen, il patiente, mais en vérité, il ne l'aime pas. Ça peut arriver.
Des fois, on peut ne pas aimer une situation. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala le dit. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. La preuve, il nous éduque. Il dit, des fois, tu peux détester une situation. Quelque chose qui te touche. Ah, les jeunes, ouais, j'ai été pour tel travail, il n'y a pas moyen. J'ai été pour CADA, il n'y a pas moyen. J'ai bien travaillé toute l'année. Un examen, ça n'a pas été, j'ai refait l'année. CADA, oh, chemin CADA. Et s'il y avait de la justice, et s'il y avait, ah, Allah, pourquoi tu te rebelles pas, comme on va le voir après, lorsque tout allait bien? Ça arrive, vas-y, dounia, alhamdoulilah. Chacun va être testé d'après le degré de foi qu'il a. Ne regarde jamais les autres. Abu Huraira radiallahu anhu, il te dit, quand il y a de gros problèmes, quand tu sens que tu es touché par de gros problèmes, et testé, vous allez voir, inshallah. Qu'est-ce qu'il te dit? Regarde toujours en dessous de toi. Ne regarde jamais ceux qui sont au-dessus. Quand des fois, tu n'as pas beaucoup d'argent, des fois, ça arrive, par exemple, des fois, ceux qui sont mariés parmi vous, ils savent de quoi je parle. Des fois, tu es tout fier, tu viens de toucher une prime. Et puis, tu as, subhanallah, l'adim, comme des genouns. Première qui apparaît, c'est l'épouse. Salam alaikum. Maintenant, on a le compte en banque sur ordinateur à la maison. Il y a que le home banking. C'est tout savoir. On est déjà rentré. Tic, tic, tic. Toi, t'as le courrier, tu l'as à peine vu le matin. Tu n'es même pas arrivé au-dessus. Salam alaikum. Raf Saada, wa hamil oro, elle est rentrée. Je te rappelle. Ça, c'est la nasiha qu'on aime bien. Il faut des chaussures, il faut trois vestes, il faut qu'un acteur. Quand on a 4-5, la liste est déjà marquée devant la porte. Ne m'oublie pas. Sahoulala. Et des rappels près du miroir, près de la porte. Le type, l'Ahfadullah, t'es qui hebel. Chaque fois qu'il tourne, il trouve un post-it. N'oublie pas. Allahu Akbar. Même le vieux, il n'y a pas ça. N'oublie pas. Ah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On te dit, wallahi, celui-là, des fois intérieurement, est-ce que franchement, il va peut-être s'énerver ou pas? Mais l'énervement, est-ce qu'il est énervé sur sa femme ou ses enfants? Là, hachalillah, ceux qui sont parents, ils savent de quoi je parle. Il n'est pas énervé sur eux. Mais il est énervé tout simplement de la situation. Regardez, c'est très délicat. Il est énervé même quand je le préparais. J'ai dû aller voir un tas de commentaires. C'est très subtil, subhanallah, parce que tu as peur. Il est énervé, pas sur le fait que c'est sa femme ou ses enfants. Non, il sait que c'est une obligation. Il le fait, wallahi, bikulli farah. C'est très drôle à dire. Lakin, des fois, il n'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est l'être humain, il est comme ça. Des fois, il leur envie, il se dit, wallah, 1000 euros. Subhanallah, j'aurais pu acheter kada ou kada ou kada ou kada, sah. Lakin, comme il est responsable de famille, comme il a des responsabilités, tchouf, rahma anfi. Bzmenno, comme on dit. Wallah, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il jma' al qafi, il a toute la caravane et il va au magasin. Et il achète quand même ce qu'il doit acheter. C'est vrai ou pas? Donc, ça, c'est une catégorie, hein, qui est déjà, alhamdoulilah, c'est déjà bien si on est là. Et puis, on te dit, c'est celui aussi, hein, ça, c'est une troisième, qui accepte. Donc, on a dit, il y a le patient, mais il y a aussi celui qui accepte. C'est déjà un peu plus que le patient. C'est très drôle. Parce que des fois, tu peux être patient, mais pas vraiment accepté. Et des fois, ici, dans cette troisième, c'est bien. C'est celui que, alhamdoulilah, patiente, mais il accepte la chose. Oh, c'est un degré déjà très élevé. Est-ce qu'on est arrivé à ce degré-là, nous? Ça veut dire, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il est touché par un examen, il l'accepte volontiers. Il se dit, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Et les savants, ils disent, il a deux bénéfices. Parce qu'il a accepté et patienté. Et puis, on a une quatrième catégorie. Il est patient, il accepte et il est remerciant. Allahu Akbar, ça c'est la meilleure. Incroyable. C'est comme si tu viens. Subhanallah. Tu vas à Mr. Cash, tu jettes 400 euros. Tu es farhan. Et tu dis, Inch'Allah, l'Oualid part par exemple au pays et je vais faire une sadaqa l'Oualid et les 200 autres, je vais donner pour qu'ils donnent à la famille et je vais faire, tu fais tout un plan, tu qassam et tout. Tu arrives devant l'Oualid. Salam alaikum l'Oualid, bekhir, wahl amana. Wahd al-amana, film chat l'amana. Où est-ce qu'elle est passée l'amana? Et qu'est-ce qu'il fait alors? Il sourit. C'est dur, hein? Il sourit. Et puis, première chose qu'il dit, Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah, m'chat fi sabillah. Et puis, il est content, il est remerciant. Pourquoi? Parce qu'il se dit, Allah Rabbi, tu as, Alhamdulillah, mon intention, tu la connaissais. J'avais sorti ces 400 pour les donner fi sabillah. Ya Rabbi, khulfoum. Redonne-moi, Inch'Allah, hein, une occasion de les retrouver quelque part dans une prime ou bien dans une rue. Allahu a'lam. Sans carte d'identité, attention. Parce que si tu les trouves avec une carte d'identité, il faut les remettre à. Alors, il y en a qui, Allah, peut tomber alors dans l'égarement, il voit 400, il dit, ya Rabbi, dans le bistam, qu'il n'y a pas la carte. Non. Regardez, il y a une bonne intention aussi. Voyez, parce que des fois, on peut vite tomber dans l'autre côté. Regardez, une bonne intention. Puis à ce moment-là, il prend cet argent, et qu'est-ce qu'il se dit? Donc, il l'a perdu, voilà, et il remercie. Il dit, ya Rabbi, voilà, j'espère que Allah, subhanahu wa ta'ala, il va, Inch'Allah, donc, me remplacer, cela. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit que,
De nouveau, il va citer d'autres catégories. Regardez, tabarakallah, les savants, combien ils ont apporté ça, chacun à sa manière. Moutaymiyyah rahimahullah, il va dire que, un, c'est ce qu'on appelle le plus mauvais. Quelqu'un qui est mauvais. Il te dit, c'est celui, par exemple, qui fait du mal. Regardez, c'est une drôle de catégorie qu'il a trouvée, lui, et qui existe, alhamdoulilah, autour de nous. Il y a des personnes, subhanallah, il fait du mal. Donc, des fois, tu es un drari, quelqu'un, il vient, il fait un mal. Par exemple, il tape un. Puis tu lui fais, vas-y. Pourquoi tu l'as tapé? Il te fait, c'était mktoub. Il y en a comme ça, il te fait, Allah, c'est mktoub, c'est qadarullah. Mais il fait une autre monseba, tu fais, pourquoi tu as fait ça? Il te fait, ah, Allah, c'est bien. Allah, subhanahu wa ta'ala, qadar alina. Ou là, tu as, hein, des fois, des padres, hein, des papas, ou là, des jeunes qui fument. Ah, sahab garwa, ils fument. Puis tu lui fais, taqillah, waqaf garwa. Il te fait, tlub Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment ça? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a à voir avec toi? Ou il qu'il qu'une nuit pendant que tu... Ça c'est plus alors pour ceux peut-être qui prennent le chiche, que pendant que tu dormais, tu as une révélation. Il t'a dit fume. Yeah. Ça c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Moi des fois, quand il me parle comme ça, je dis non. Dis-toi, tu te fous roquer pour du vrai. Parce que tu as vu, c'était un cauchemar que tu as vu là. Viens pas me dire que tu as entendu des voix. Ça t'es vraiment, t'es passé peut-être à autre chose que la cigarette. Non. Ici, il faut parler sérieux. Parce que chez l'ulama, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il est très ancien. Donc imaginez-vous, pour eux, ceux qui faisaient ça, c'était les plus mauvais dans la communauté. Imaginez-vous, wallahi, tu viens, tu lui dis, t'es en train de kada, qu'est-ce qu'il dit? Qadarullah. Et j'ai aimé une fois, si je ne me trompe pas, parce que ça me revient comme ça maintenant, j'avais raconté ça une fois, Ndrari, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Il aimait bien ces gens-là. Et il y a une histoire qui me revient comme ça maintenant. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, un jour, il a attrapé un voleur. Il a attrapé un voleur. Ok. A volé, mais le voleur il était très malin. Il a fait, ya Omar, hada qadarullah. Parce que Omar savait bien, il a volé, donc il faut lui couper les petits doigts. Et tout, ça le coupe la main. Il a dit, wallah ya Omar, hada qadarullah. Il a dit, mashallah, alayk, très malin. Comme pour dire à Omar, qu'est-ce que tu vas condamner quelqu'un qui a été d'après le mashi'a d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre? C'est illogique, c'est dolm. Il a dit, bah tu sais quoi? Si c'est mktoub, eh bien moi je vais te couper la main, ça sera mktoub aussi. Yallah, tu vois, subhanallah, dhaka. Ici c'est pas le qadia de couper, mais imaginez-vous, c'est pour vous montrer comment les gens, en ce temps-là, quand ils étaient éveillés, ils savaient comment fonctionnaient les gens. Même ceux qui venaient avec des idées bizarres comme aujourd'hui, eh bien, directement, eh, il nous manque, hein. Sahoulallah, Omar ibn al-Khattab. Ce serait bien qu'il fasse une petite visite, une petite carouage comme ça, un petit mois ou deux, un petit réglage, Aïda, et puis il repart. Mais bon, à la kulli hal, vous savez bien que c'est pas faisable. Là, qu'il y a moyen que chacun d'entre nous devienne, alhamdoulilah, des petits Omar sur terre ici. Et même, et on préfère même encore plus qu'ils deviennent comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le domaine du comportement. Donc c'est pas facile. On vous dit aussi, le meilleur. Et j'oublie, Afwan, j'oublie, dans le plus mauvais, il y a aussi l'autre. Lorsqu'il fait le mal, on vous a dit, il dit que c'est qadarullah, mais aussi un autre détail, c'est si jamais il fait un bien, qu'est-ce qu'il dit alors? Donc lorsqu'il fait un mal, il attache à Allah subhanahu wa ta'ala, wal'idu billah. Et lorsqu'il fait un bien, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi. Des fois, des frères, par exemple, il a fait quelque chose de bien et tout. Le meilleur, c'est celui qui, quand tu lui demandes, ah, mashallah, c'est toi qui a fait cette armoire. Qalik, na'am, je l'ai fait, lakin, alhamdulillah, bi'idhnillah, bi'aounillah, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, yassir al-umur. Ou bien un jeune qui a ouvert une petite société, informatique ou autre, et tu lui dis, t'as une société. Ouais, c'est moi qui a trimé, c'est moi qui a crevé, hein. Moi, je connais personne, hein. Voilà. Le meilleur comportement, c'est si tu dis, na'am, alhamdulillah. Ah, déjà rien que ça. C'est déjà une belle intro ou pas? C'est une belle intro. Tu dis, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, yassir al-umur. Il m'a facilité les choses. Et alhamdulillah, bi'idhnillah, kada. Wallahi, c'est pas gênant pour nous, les musulmans, de répéter 20 fois dans une phrase, bi'idhnillah, alhamdulillah. C'est incroyable. Tu passes ton temps à faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, à le remercier. C'est le meilleur des musulmans. On a dit le meilleur, c'est celui qui fait un bien. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais il commet un péché, à la différence, alors qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon directement. De nouveau, où est-ce qu'on est par rapport à cela? Il demande pardon directement. Et ça, c'est quelque chose de pas facile. Parce que des fois, les jeunes, et vous le savez, dès qu'on fait des fois un mal, on a toujours tendance à le coller aux autres. Et même le problème dans lequel vit la société aujourd'hui, combien de fois tu n'entends pas une grave erreur? Ça reste mon avis, hein, parce que chacun il donne son avis, mais ça reste mon avis, c'est que des fois, alhamdoulilah, tu entends les musulmans, dès qu'il y a un problème dans la communauté, qu'est-ce qu'ils disent? Shaitan. Voilà, des fois, j'ai dit à des frères, des fois même shaitan, je suis sûr qu'il doit être étonné des fois.
Des fois, le shaitan, il doit dire, oula, j'ai rien fait, moi. Une fois, j'ai rien fait dans cette affaire. J'étais même pas là. Ils font des masaïb. Ils font des trucs. Et puis, dès que tu lui dis, shaitan. Voilà, ça, c'est le top 10, hein. Shaitan, d'abord. Et puis, t'entends souvent, sachez les un petit peu plus intellectuels, des fois, t'entends quoi? Le bi'a, la société. Ben, pourquoi il y a la délinquance? Oui, la société, cher frère. C'est la société. C'est le contexte actuel, la conjoncture actuelle et tous les termes, ça, technique et tout. Ça, toi, tu es obligé direct de lui faire, ah ouais, la conjoncture. Alors, toi, interplanétaire. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et hop, t'arrêtes la discussion directe et tu passes à un autre sujet. Non. Parce que Allah nous a rappelé, bima kasabat aydikum. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait. D'où ça vient? Parce que nos mains ont fait. On ne doit pas apprendre dans notre vie toujours à être de cette catégorie qui, à chaque fois, remettent les choses à qui? Soit à Satan ou bien à la société. Non, pose-toi d'abord toi la question. Est-ce que tu n'es pas la cause de ce problème? Est-ce que tu n'es pas ce genre de personne qui peut-être sème la zizanie, sème la discorde, sème le problème? Ou bien tu es ce moteur dans la communauté? Cet élément positif qui booste les gens, qui les pousse, qui les réveille. Un âme, tu peux être des deux côtés, subhanallah. Yallah, réfléchis, vois dans quel côté tu vas aller. Et ça, de nouveau, ça se travaille. Ça doit être présent, donc dans le caractère et le comportement de la personne. Et on espère, inshallah, pour les futurs parents que vous êtes et que ceux qui sont déjà parents, ça commence depuis le bas âge, depuis que l'enfant est petit. On essaie d'aller avec lui au fur et à mesure. Pour qu'il soit quelqu'un, walhamdulillah, de positif. Quelqu'un qui peut pousser les autres et lui-même vers l'avant. Et pas l'inverse. Cheikh l'Islam, rahimallah, il dit qu'il y a aussi d'autres catégories de personnes, mais on va parler ici dans tout ce qui est le domaine de la capacité, ce qu'ils sont capables de faire, et dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi très drôle. On vous dit qu'il y a certaines personnes qui savent faire beaucoup de choses. Il y a des personnes qui savent, ils ont beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Mais, comme disent, et comme le dit Cheikh rahimallah, il te dit dans le haram. Et ça, c'est drôle. Des fois, Allah, et même nous, on donne un exemple. D'abord, là, au centre islamique, c'est vrai que des fois, nous rend visite toutes les marques. Et des fois, il arrive que, ça, et bien, nous, dans notre domaine, on s'est habitué, maintenant, on travaille dans le domaine religieux, donc on est habitué dans un style. Il y a, ben, des fois, il y a des gens, c'est que Nia. Et dernièrement, par exemple, il y a plusieurs mois, j'ai eu, par exemple, une personne, sincèrement, il est venu avec une genre de petite statue bizarre. Des choses, il vient au centre islamique. Mais qu'est-ce que tu veux? Il a une statue bizarre, puis il s'est assis devant moi. Est-ce que vous pouvez me donner un quart d'heure? Oui, vous avez une question en religion ou sociale ou... Non, voilà. J'ai un projet. Il monte la statue. Toute maouza, là, tout le métal bizarre comme ça. Il m'a dit, j'ai un projet. Voilà, il me dit, cher frère, ça fait 6 mois que je prépare ça pour que ça soit, inchallah, représentatif des musulmans de Belgique lorsqu'il y aura la reconnaissance de Kada. De... Il dit, 6 mois, tu as fait ce... Ah, d'ailleurs, il me dit, ouais, 6 mois, ouais. Et ce qui me parle Bnia, hein, c'est ça qui est, des fois. Pas Bnia, oui, 6 mois, Kada, mais je dois retravailler, vous voyez, le bordure, le Kada. Je dis, ah, Allah. Je dis, kiffe. Je dis, il n'y a rien d'autre derrière, il n'y a pas de. Non, et je, Kada. Ouais, mais ces musulmans que vous allez représenter, vous les avez vus, vous avez parlé avec qui, chez où est-ce que vous allez aller? Vous avez structuré votre projet, vous avez. Non, c'est pour ça que je suis venu chez vous. Mais on ne vous a jamais appelé. Je n'ai jamais demandé de statuette. Non, mais c'est pour ça que je suis là. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu viens? Et j'ai aimé un cher dernièrement, il a dit, un des problèmes, et même tout à l'heure dans la prêche du vendredi, cher Elbrik, il a dit, Hafidallah, il a dit, un des problèmes de notre communauté aujourd'hui, on fait d'abord les choses, puis on pose les questions. Alors qu'en vérité, les spécialistes, ils disent toujours de préparer les questions, ceux qui s'y connaissent dans les projets. Hein. On ne met pas en pratique, on ne commence pas un projet sans avoir préparé donc, toute une liste de tâches. Ça, houlala, prépare, pose des questions. On va un peu squatter le terrain, on va un peu voir qu'est-ce qu'il y a, les investigations et autres. Hein, si ça a à voir avec l'argent, on voit la bourse, ci, cela, ceux qui ont déjà fait ce projet, etc. Donc il y a une préparation. Donc imaginez-vous, regardez-nous, comment est-ce qu'on fonctionne dans ce domaine. On va et on perd des fois du temps, pendant des heures et des heures, des mois et des mois, puis après, on voit que Allah, ça ne rapporte peut-être rien du tout. Il te dit, oui, il y a aussi ceux qui savent faire beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui se passe? Il te dit qu'il a une bonne intention. Yak, il a de la croyance. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu vois par rapport à la religion, tu vas trouver que des fois, il n'y a pas de structure. Donc il y a des gens qui font beaucoup de choses, sont préparés, kada, il est là, il a avancé autre. Mais lorsque tu vas voir à ce moment-là par rapport à la pratique de la religion,
tu es étonné. Ça colle pas. Ça aussi, ça fait mal au cœur. Parce que de nouveau, c'est comme quelqu'un, subhanallah, dans du sable mouvant. Il est là, il a l'impression qu'il va sortir, mais il coule au fur et à mesure. Et lui, si tu lui demandes, Naam, il est là en train de tirer du sable, mais on sait que le sable mouvant, au plus tu tires, au plus le sable y vient. Et ça aussi, on a des gens qui pataugent dans la communauté. On a beaucoup de personnes qui sont là pendant des mois, des années, dans un système où Mskin, il ne sait même pas qu'il est en train de patauger dans le vide. Et des fois, on a, comme il dit, Rahimullah, on a des personnes, même s'ils ont une intention, et ils sont forts, mais ils ne font rien. Ils ne savent rien faire. Pourquoi ? Parce qu'il vous dit, subhanallah, c'était qui ? C'était les certains habitants de Médine qui étaient pauvres, qui étaient faibles et qui ne savaient pas sortir avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là qu'il le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant d'eux, il dit, dans une tradition, il dit qu'il y a des gens à Médine que là où vous allez, ils sont avec vous. Même si vous traversez une rivière, ils sont avec vous. Et eux, en vérité, ils sont à Médine. Les compagnons étaient étonnés. Comment ça, ils sont avec nous, mais ils sont à Médine? On dit, c'est qui ça? Comment ça, ils sont avec nous? Tu nous dis, ils sont avec nous, mais ils sont à Médine. Il dit, Naam, c'est qui? C'est ceux qui ont été retenus à Médine parce qu'ils avaient une excuse. La vieillesse, la maladie. Sahoulala. Donc celui-là, subhanallah, il a l'ajr. Mais c'est parce qu'il a une bonne intention, il veut faire, lakin walhamdulillah, il a une bonne excuse. Voilà, ça c'est déjà un mot important. Il a une bonne excuse. Et on a aussi, aujourd'hui, des personnes qui peuvent des fois apporter un bénéfice à la communauté. Et ils pensent, Soumoumzian, ils pensent qu'il faut d'abord alors être intellectuel ou ceci ou cela. Alors ils te disent, Allah ma andi walou, je ne sais pas faire. Des fois, même l'Oualid Indiana, nos parents, des fois ils nous disent, Ana Oulidi, ma kritch, ma amelch, moi, kada ma arfch, chni britin qaddem. Qu'est-ce qu'on leur dit? Wallahi, ad-du'a. C'est vrai ou pas, les jeunes? L'invocation. Et hatta le prophète Asim le rappelle dans une tradition authentique, il dit, et combien de fois est-ce que vous n'avez pas la victoire? Et combien de fois est-ce que vous ne recevez pas des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Par qui? Par quel intermédiaire? Bidu'afa'ikum. Par ceux qui sont faibles chez vous, ceux qui sont pauvres. Parce qu'ils invoquent. Des fois le madlum, celui qui a subi une injustice, Aoudi l'invoque. T'imagines par exemple au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si un groupe de pauvres a subi une injustice par rapport à, c'est-à-dire ceux du côté de là, mais que les Quraishites leur ont fait des problèmes ou autres, ou des graves injustices, puis ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, fais-leur ceci ou cela, ou la kada. Comment tu veux que la victoire des fois ne vienne pas, quand c'est sincère? Donc imaginez-vous, c'est aussi quelque chose de très très important, il ne faut pas sous-estimer. Donc des fois quand on te dit quel genre de personne es-tu, même si tu me dis, Wallah, je ne sais pas apporter quelque chose, des jeunes des fois ils te disent, Wallah cher frère, je fais mon possible et tout, mais tu as vu, moi je suis très restreint, je suis kada. Qu'est-ce qu'on lui dit? Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dis jamais je ne suis pas capable de faire quelque chose, c'est impossible. Et c'est pour cela que cheikh rahimallah dit, celui qui est le plus à plaindre, c'est celui qui a des problèmes des fois dans son intention, ou bien celui qui peut faire mais ne fait rien. Et ça c'est dommage, c'est le cas de beaucoup de nos jeunes aujourd'hui. Les jeunes, tu viens, tu le rencontres le matin, qu'est-ce que tu fais? Je crève le temps. Tu le rencontres à midi, qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. C'est comme s'ils ont pris le temps, ils l'ont halek de toutes les manières. Tu le rencontres le soir, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le temps. Avec le mot le temps qui sort, le temps. Et lui, il est dans le temps. Ah, Allah, des fois, ça frôle la psychopathie. Allah, des fois, tu te dis, ouais, ok. Des fois, on veut comprendre ce qu'on prend de l'âge. C'est vrai qu'on se déconnecte des jeunes. On ne va pas rester jeune toute notre vie. On peut le rester de cœur, de muscle et tout ce que tu veux. Même ça, ça diminue. Mais des fois, tu n'arrives plus à comprendre. Mais où est-ce qu'il est ce temps alors? Pourquoi tu es sur terre? Une fois, un jeune, il s'est fâché contre moi quand je lui dis, tu sais quoi? Tu connais les castors? Regardez, allez alors. Wallah, le castor, il est mieux que toi. Taqillah, tu sais que tu n'as pas le droit. C'est toi qui donnes des cours. Dans l'islam, tu ne peux pas dire qu'un musulman ressemble à un hayawan. Je dis, non, je n'ai pas dit que tu ressembles à... Je dis, le castor, il est mieux que toi. Il m'a dit, pourquoi le castor, il est mieux que moi? Il dit, le castor, il se lève le matin, il grignote du bois, il apporte chez madame, il lui arrange une tente. Femme, toute la journée, il apporte des poissons, il mange. Tout à fait là, comme un cadavre, mais de temps en temps, il y a des membres qui bougent. Et quand ça bouge, c'est quoi? L'Oualida, il y a à manger. Il y a à manger. Il fait, ouais, dans 2 heures. Allez. Ça fait. Voilà sa réaction. Puis de nouveau, il retombe en hibernation. Stand-by, là. Puis de nouveau, il est comme ça.
et reste devant la TV. C'est vrai, il y a, sans exagérer, il y a deux doigts qui bougent. Si jamais, non. S'il tient une télécommande, c'est vrai, il y en a un, deux, trois, quatre qui tiennent la télécommande en bas. C'est de la physique, hein, parce qu'il a étudié aussi un peu de... Il y a un an, il faut avoir étudié de la physique pour le faire. Vous connaissez toutes les lois, tous les cousins, Lavoisier, Proust et compagnie, là. Un an, rien ne se perd, vous en faites pas. Chez nous, il n'y a rien qui se perd. Il tient les quatre doigts et puis il y a le pouce. Le pouce chez nous, je dis pas les musulmans, chez les arabes, c'est le membre le plus, qui a travaillé le plus pour le menchiro, pour le briquet, pour la télécommande. Un an, pour la télécommande, pour... Là, j'exagère. Voilà, c'est ça la réaction qu'il a là. Si... Et si tu passes, tu dis, qu'est-ce que tu fais, Mohamed? Allah, dunya, t'as vu, Allah. Dunya, j'anda. Et c'est vrai ou pas, nos jeunes, wesh, dunya, c'est elle qui est venue chez toi, elle t'a toqué. Mohamed, aujourd'hui, c'est maïak, c'est ruina de dunya, ça va? Salam alaikum. Puis quand tu viens chez lui 2 minutes après, ouais, Mohamed, Allah, dunya. Non. Wallah, on se fout du monde. Sah ou lala? Par rapport à cela. Cheikh l'islam, rahimahullah, il parle de nouveau à Aoud, subhanallah, encore d'autres catégories, 4, et on va conclure là-dessus, inshallah, parce que le temps va très vite. Il dit qu'il y a celui qui se met. Ici, c'est par rapport à la colère. Ah. Là, on dit souvent, subhanallah, que l'arabe, Zaman, qu'ils ont le sang froid ou chaud? Chaud. C'est des HDI, TDI, donc 2 litres. 2 litres 9. Oh là, des fois, il y en a même, c'est des, comme en Arabie, là, c'est des 5 litres 9. Les soupapes et les valves, je te dis pas combien il y en a. Ça veut dire, dès que tu l'allumes, il n'y a pas, comme le Suisse, hein, c'est vrai que c'est un stéréotype qu'on donne. Dès que tu vas lui sortir une blague, pendant un quart d'heure, il va réfléchir, puis ah, c'est ça que tu voulais dire, Kada et tout. Non, Hna, vous savez, on a le sang très chaud. On démarre directement. C'est vrai ou pas? On démarre direct. Pour un rien. Arnan. Vous connaissez dans certaines tribus, on parle même de moutons qui montent. Yak. Les touri-touri, tout ça. Yak. On est des spécialistes. On a plein d'exemples à notre sujet. Dans le domaine de la colère. On va aller voir, comme dit Ibn Taymiyyah, rahimullah, en quoi est-ce qu'on a employé cette colère? Et à toi de voir quel genre de personne es-tu. Est-ce que tu as employé cette colère, comme il dit, pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pour toi? Et ça, c'était le cas de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le voit dans les traditions authentiques, on te dit jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énervait pour sa personne ou se mettait en colère pour lui-même. Parce que tu vas lui dire un mot, kada, il va s'énerver, loin de là. Les Arabes, ils venaient, imaginez-vous, en son temps, les Arabes, ils venaient, les Bédouins, vous savez, les Bédouins, c'est des durs. Ceux qui élèvent les chameaux et tout, c'est des durs. Sahab la campagne, il venait chez lui, il faisait « Ya Muhammad !» Les compagnons directement, ils se fâchaient. « J'ai l'kharbana » dit au prophète, lui dire « Sallallahu alayhi wa sallam »« Ya Rasulallah » lui dit « Ya Muhammad » Est-ce que vous croyez que le prophète Asmi disait « Oh !» Atéoulou, dans le lit « Salkhaddaq » Dans le lit des tartes comme ça, il va savoir avec qui il parle. Jamais, wallahi. Souvent, il disait aux compagnons, « Dans l'alim, da'ouh, laissez-le. Vas-y, Allah, parle, pose. Pose la question. » Et des fois, il parlait rudement avec lui. Est-ce que c'est vrai qu'on doit faire ceci? Est-ce que c'est vrai qu'on doit faire cela? Il y en a même un dans la tradition très connue, il va lui citer les 5 piliers, c'est tout, il lui dit, Ya Rasulallah, c'est tout, si je fais les 5, je rentre dans le Jannah. Il lui fait, Na'am, si tu fais les 5, tu rentres dans le Jannah. Salam alaikum. Il lui a dit, Inch'Allah, je ferai que les 5. Et il part. Les compagnons étaient étonnés, ok, fait. C'est comme s'il vient un businessé ou le cas. Non, c'est d'après son caractère, sa manière de fonctionner, sa sincérité. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il n'y a pas de problème. Na'am, s'il le fait, rentre dans le Jannah, vas-y. Toujours, subhanallah. Très clément. Jamais de colère pour lui. Et naturellement, comme vous le savez, c'est un groupe très dur. Pourquoi? Parce qu'ils patientent si on leur fait du mal. Ils font tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font pas ça pour le regard des autres. S'ils se défendent, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a été touché. Donc, ils viennent pour le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala en premier et pas pour leur personne. Et ils sont juste vis-à-vis des gens. Là, aujourd'hui, il y a une deuxième catégorie très grave, comme il a dit Cheikh Rahimallah, c'est laquelle? Il te dit, c'est celui qui se met en colère pour lui et pas pour Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je m'excuse de taquiner certains, il y a des draris si jamais tu viens et tu lui piques, ou bien tu lui prends 1 euro. Au khal pour jouer. Tu viens, tu lui prends 1 euro. Ou bien, c'est bien, j'ai pris une petite bouteille de jus. T'imagines, t'as un draris tout content, il a été à la machine, c'est le seul 50 cents, il a mis tchren et tout content, il l'appuie, alors il bave et tout, hop, la bouteille descend, vous savez comme on faisait à l'école avant, il la dépose devant lui, tout content, et il prépare, alhamdoulilah, cette tartine, hier, qu'il est tout fier, il ouvre la boîte, il ouvre, kada et tout, et au moment, donc il va prendre un plastique, toi tu viens, vous savez comme on faisait avant, comme des hayawan, on prenait la bouteille, ça coule, ça, oh là là, comme j'ai fait maintenant, hier, c'est moi après qu'il va recevoir des tartes, mais moi, ceux qui sont mariés savent de quoi on parle.
Qu'est-ce qu'il fait? Le frère, il avale tout, puis il le regarde tout dégoulinant. Ah, c'est rare, quoi? C'est rare qu'un jeune, il va te dire Hasbunallahu wa ni'mal wakil, yakhluqullahu ma yasha. Chouf, Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, les tétards, les kadars. Chouf, non, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va le démolir. Yak, ça c'est indiscutable. Ça c'est le programme numéro un. Faut même pas. C'est vrai ou pas? Dans le voisinage, la même chose. Quelqu'un va venir, ton voisin, miskin, il va peut-être se tromper, il va déposer sa poubelle près de ta porte. Il va se tromper. Tu sais bien, ça arrive des fois, l'insane, il sort le matin, il va se tromper, il va déposer. Et comme par hasard, Amil Hajj, il est à la fenêtre. Il va descendre, tailleur, il est en pyjama, il va aller, il va sonner. Nzel! Allah, il dit, Nzel! Ouais, je te dis pas la soirée comment elle va se finir. Mais rares sont ceux qui vont, qui va t'allah, il va le faire. Amil Hajj, wa salam alaikum. Ah, mdra, kef dak sak, tqila ou la. Peut-être quelque chose, subhanallah, avec le hikma tout simple. Le gars, il va. Amil Hajj, qu'est-ce qu'il fait là? La porte, ouh, astaghfirullah. Subhanallah, Amil Allah, alhamdulillah. L'affaire, elle est clou ou pas? Nous, c'est le premier exemple des fois. Des fois. Yak. C'est comme ça dans plein de choses. La file. Si tu veux voir comment se déclenche une guerre entre deux États, fais une file avec des khorotos. Fais une file. N'importe, consulat, GB, n'importe, fais une file. Et là, tu vas voir c'est quoi la fraternité chez nous. Et tu prends Bab, hein, Bab l'Ukhwa, moi, vas-y, dans Sahel Bukhari, Riyad Salihin, tout ce que tu veux, mets le livre devant toi. Et va là-bas et assis-toi dans un truc où il y a des files et regarde le livre et regarde la file. Passe un centimètre et tu vas voir. Toi, des fois, il se pourrait que tu passes un centimètre pour voir peut-être l'affiche, le petit papier, la pub. Lui est déjà là, Raja. Et toi, des fois, tu as l'adab, tu lui fais, là, smahli, amina, kan chouf, ana kan araf, dak tinawi, rja, Allah, ora. Tu lui dis, Allah, yaoudi, et toi, t'es le petit akhla qui va aux conférences, qui a ta, yak. Tu fais, non, mais, et toi, t'envises un mec de lui montrer le haq. Fait kadar, fait qu'il fahamat. Donc, il te comprend déjà, il te fait comprendre déjà, Allah, t'as le fraïk, t'as fait que l'hadra, rja, Allah, ora. Et subhanallah, des fois, t'as mal au cœur. Tu dis, ouais, subhanallah, moi, j'étais tout simplement pour faire un petit pas. Je voulais aller voir la pub, Allah. Allah, c'est très grave, c'est vrai ou pas? Et on est dans ces situations-là, et c'est pour ça que la communauté, elle est vue d'une manière très drôle. Ceux qui ont un regard bizarre, ils nous le disent, hein, des fois les convertis ou autres, des fois ils nous disent, souvent, ils nous disent, c'est beau votre religion. Wallah, c'est très beau. Mais dans la pratique, c'est très, très différent. Yak? Et nous, on travaille avec les convertis beaucoup. Il faut toujours la remarque. Il dit, notre religion, elle est très belle. J'ai même un ami, je ne vais pas le citer. Souvent, parce qu'il, quand il me parle, dès qu'on parle, il a des maghrébins ou là, oui, des arabes, qu'il y a et tout. Ah, on ne parle pas de. Ni parle-moi tout ce que tu veux, sauf eux. Je fais, ah là, je me dis, vous êtes dangereux. Et c'est pour ça que souvent, il y en a qui disent marocain, ça rime avec requin. Ah, les jeunes directs, ils le disent. Pourquoi il y a tous ces stéréotypes, subhanallah, Alash? C'est vrai ou pas, Alash? Alors que regardez notre religion, comment elle est bien tracée. Ibn Taymiyyah, rahimallah, des centaines d'années avant nous. Le prophète, 1428, 1429 ans. Toutes les règles, comportements, comment fonctionner, comment faire, comment aider. Pourquoi en arriver encore à ce genre de situation? Et je termine, Inch'Allah, pour clôturer. On vous dit donc, faites attention, soyez donc des personnes qui sont très vigilants. Parce que, wallah, si je devais continuer avec vous, il y a encore moyen de rajouter 2 heures. J'ai trouvé, tabarakallah, des. Ici, vous avez remarqué, je ne suis même pas rentré dans les traditions qui parlent de la jalousie, de ceci, de cela, même pas. On a des conférences qui ont déjà été faites. Je voulais que ça soit, entre guillemets, un peu plus technique par rapport à des catégories. Et même comme ça, avec le temps, il y a moyen de rester encore 1 heure ou 2. Lakin, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites attention. Il y a moyen des fois d'aller ou de passer très très vite d'une catégorie à l'autre. Lakin, le meilleur, et c'est ce que je demande à nos jeunes ces derniers temps, c'est l'art d'alikoum de structurer votre système d'adoration. Pour que si vous rentrez dans une catégorie, on espère qu'elle soit la bonne, mais on espère aussi que vous montiez vers une autre catégorie. Sahoulala. Et pas comme on voit certains jeunes ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre en disant quel genre de personne es-tu. C'est parce qu'il y a des fois des personnes et des jeunes, tu ne sais même plus qu'est-ce qu'il est. 1 heure, il est hyper pratiquant. Chapeau, turban, camise blanc. Tu sais qui celui-là? Ah, Mohamed, ça va toi? Oh, purée, tu dis, il a changé. Le lendemain, Sarwal Mkata à l'arrière, les fentes et tout, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai des problèmes. Et c'est toi hier avec turban et tout, ouais. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai des problèmes. Voilà, c'est ce qu'on vient d'expliquer dans les catégories.
Trois jours après, de nouveau, Aoud, il est bien habillé. Chandek, non, tout va bien maintenant. Voyez, on a ça dans notre jeunesse. Ou bien tu as les autres, ceux qui avant ont oublié, donc ils ont oublié, ceux maintenant, ils ont oublié qu'avant, ils étaient dans l'égarement. Puis ils rentrent dans la pratique, qu'est-ce qu'ils deviennent? Quel genre de personnes? Des personnes très dures. Rigole avec personne. Pas de pitié. C'est pour ça que je voulais parler de cela. Même si on a un petit peu rigolé, parce que c'est mon style, vous le savez, c'est bien de, hein, qu'on soit à l'aise entre nous, parce qu'il y a des vérités derrière. Moi, j'ai toujours un petit message à faire passer. Et ici, c'est spécialement pour dire, attention, quel est le genre de personne que tu es? Quelqu'un, alhamdoulilah, qui est banna dans la construction, justement, de la communauté, qui apporte quelque chose, qui est une brique en plus, ou bien tu es un qui est là pour dégoûter la société. Même la non-musulmane. Parce qu'on est dans une société, faut pas oublier, qui est musulmane et non-musulmane. On a de tout. Mais wallah, tu es ambassadeur, donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment est-ce que tu fonctionnes? Alors apprends à être justement une personne structurée, qui a un but dans sa tête, qui a un programme, qui sait où il va et qui espère toujours et demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala d'être encore plus haut dans ce qu'il est en train de faire. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khair al-jazaa. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Je ne sais pas si jamais il y a des questions par rapport au sujet. Vous savez bien, moi je ne fais jamais de questions-réponses style fatwa et autres. Ce n'est pas mon domaine. Mais si jamais il y a une question ou je ne sais pas. S'il n'y en a pas, alhamdoulilah, ça prouve que vous avez tout compris. Donc, je ne sais pas si côté des sœurs, il y a des questions ou ça n'a pas été prévu. C'est pas prévu. Hein. Voilà, donc il faudra essayer, inchallah, plus tard, pour pas que les gens viennent. Parce que le but de ces rencontres, c'est aussi permettre aux jeunes de voir s'ils ont compris le sujet ou pas, ou bien peut-être qu'ils vivent une situation. Donc c'est bien de donner l'occasion à tout ce qui est les questions par rapport seulement, je parle du sujet qu'on a traité. Alhamdoulilah, on aura l'occasion de se revoir peut-être dans d'autres endroits ou autres. Enfin, s'il y a une question qui viendrait à ce moment-là, Inch'Allah, vous êtes les bienvenus. Jazakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.